Bonjour, mes chers amis citoyens et surtout militaires de la République du Cameroun. Moi, je m'appelle John Akuro et je suis ancien journaliste de la CRTV. J'ai travaillé au poste national à Yaoundé. J'ai travaillé au centre de production de la télévision en balade toujours à Yaoundé. J'ai travaillé à Radio Centre, CRTV Centre, c'est-à-dire que j'ai eu la possibilité de parcourir les différents villages de la région du centre. J'ai travaillé à CRTV Littoral, ce qui veut dire que j'ai aussi eu la possibilité de sillonner certains recoins de la région du littoral. J'ai travaillé à CRTV Extrême Nord, ce qui veut dire que vraiment, je suis arrivé partout. Je pense quand même que certains d'entre vous pouvez vous rappeler de la voix d'un collègue, M. Serge Ngandoune-Tonet, qui chaque matin criait John Bakuro. Et quand je parlais de John Bakuro, Tokombéré, vous dites bel et bien, si vous êtes de Tokombéré, sachez que j'ai été là-bas à plusieurs reprises. Vous êtes de Kousseri, sachez que j'ai été là-bas à plusieurs reprises. Vous êtes de Mogodé, sachez que j'ai été là-bas à plusieurs reprises. Bref, j'ai été pratiquement partout. Là où je n'aime pas travailler comme étant soit reporter ou bien responsable à la station régionale, j'ai visité tous ces recoins-là pour des productions économiques TV dans plusieurs villages. J'étais à Lompanga, j'étais à Ewen, bref, tout. Donc, quand je viens ici parler, quand je viens ici échanger avec vous, c'est parce que j'ai une idée très claire de votre situation. J'ai une idée très claire de ce que vous vivez au quotidien. Je peux même parfois dire que j'ai une maîtrise parfaite des conditions dans vos différents villages. Pour ceux qui sont en Vomeka, sachez que j'ai été là-bas et qu'en face du palais somptueux de M. Paul Biya, il y a un point d'adduction d'eau là. La qualité d'eau qui sort de là, c'est grave. J'étais là lors de l'enterrement de la maman de Chantal Biya, Madame Boutron. Et que les cases qui sont juste, qui longent le mur, qui longent la barrière de l'édifice de M. Paul Biya Vomeka, ce sont des maisons qui sont en train de s'écrouler, qui peuvent écrouler d'un moment à l'autre sur les gens qui y habitent. Et dans ces maisons vivent des familles, des militaires qui sont en train de mourir au nord-ouest, inutilement, qui sont en train de mourir au sud-ouest, comme vous l'appelez, inutilement, qui sont en train de mourir au centre du Cameroun pour rien. Donc, une fois de plus, je suis ici aujourd'hui pour que nous puissions échanger. Je l'ai promis, je serai ici très régulièrement pour que nous puissions avoir la possibilité de parler de vos réalités. Je suis ici pour vous aider à comprendre votre situation actuelle, pour vous aider à comprendre la part de responsabilité que vous portez dans ce qui se passe dans votre pays et dans des tueries inutiles qui sont perpétrées au Southern Cameroun et pour rien. Lors de ma dernière sortie, je parlais de l'histoire. Je sais que cette sortie était assez longue et comme je l'avais dit, il y a une version audio. Je suis persuadé que certains d'entre vous ont eu la possibilité de recevoir cette version audio. Il faut la partager. Il ne faut pas être chiche. Il faut la partager pour que d'autres personnes soient informées. Donc, lors de mon dernier passage ici, j'ai parlé longuement de l'histoire du Southern Cameroun et de la République du Cameroun pour vous faire comprendre que, tout comme avait existé un pays en Afrique qui s'appelait Sénégambie, c'est-à-dire Sénégambie. Parce que vous n'êtes pas au courant de ça. Que la Gambie et la Sénégal ont existé comme un seul pays.
sur le modèle qui était façonné entre la République du Cameroun et la République du Southern Cameroun. Et que lorsque les Gambiens ont constaté que la culture française était une culture de sous-développement, lorsqu'ils ont compris que le Sénégal n'avait pas encore l'indépendance réelle, comme eux, puisque la Gambie était réellement indépendante, qu'elles se sont rendues compte que le Sénégal n'avait pas encore l'indépendance réelle, qu'ils étaient encore dirigés à partir de Paris et qu'ils représentaient tout simplement une province de la France. La Gambie a décidé de se séparer une fois de plus du Sénégal. Et cela s'est passé sans guerre. Il n'y a pas eu de confrontation militaire. Il n'y a pas eu de guerre. Personne n'est mort. Aujourd'hui, les Sénégalais et les Gambiens vivent toujours comme si c'était un seul et même peuple. Plusieurs Gambiens partent au Sénégal pour des services clés. C'est au Sénégal qu'ils partent. Il y a des ambassades qui desservent la Gambie à partir du Sénégal. Sans problème. Je dis bien sans problème. C'était sur le même modèle. Pourquoi est-ce que quand nous du Southern Cameroun, nous disons à la République du Cameroun, nous pensons que il faut qu'on se sépare. Chacun gère son destin. Puisque nous sommes condamnés à être voisins, qu'on puisse aussi vivre comme les Sénégalais et les Gambiens. Vous dites non, c'est la mort qu'on va vous offrir. C'est ça le problème. Or, Paul Biya lui-même vous dit dans cet extrait que je vais jouer tout de suite là, qu'il reconnaît l'existence du Southern Cameroun. Suivez plutôt. History has not forgotten that Boya was the headquarters of West Cameroon. History has not forgotten that Boya was the capital of Southern Cameroon. Vous comprenez donc. Voilà Paul Biya, votre président. Voilà Paul Biya. Votre président qui dit lui-même que l'histoire n'a pas oublié, lui reconnaît que Boya était la capitale d'abord du Southern Cameroun, c'est pas ça qui finit, et puis après la capitale du West Cameroun. West Cameroun, c'était l'état fédéré du Cameroun occidental. Quand c'était la capitale du Southern Cameroun, c'est parce que à cette époque-là, Southern Cameroun était indépendant, un pays à part entière qui n'avait rien à y voir avec la République du Cameroun. J'ai bien voulu jouer cet extrait pour vous édifier une fois de plus. Ceux d'entre vous qui pouvaient encore être en confusion, se disent peut-être, comme il est du Southern Cameroun, là il risque d'être en train de nous mener en bateau. C'est pour ça que je vous amène la voix de votre président. Rappelez-vous la dernière fois, j'ai amené ici la voix de maître, aujourd'hui ministre délégué, Jean Le Dieu Momo. Je continuerai à le faire parce que je suis persuadé que lorsque vous connaîtrez la vérité, ça va vous aider. Pour entrer dans le vif de nos discussions d'aujourd'hui, regardez bien la peine que vos actions mal conseillées verse sur vos différentes familles. Regardez plutôt. Je voudrais vous prier, monsieur le représentant des forces armées ici, de bien vouloir transmettre ce message des familles éplorées, les familles pauvres, les familles qui perdent leurs enfants de cette manière. Nous vous prions de transmettre au chef de l'État, qui est le chef des armées,
à Monsieur le ministre et à toutes les personnes de nous aider à ne plus pleurer nos enfants. Que ce sang qui se verse, nous vous prions. L'État camerounais a toutes les possibilités d'arrêter cette guerre meurtrière. Je prie vraiment au nom de l'Église, au nom de cette famille. Il y a d'autres soldats qui sont tombés à Moumoudemba. J'ai les photos, ils sont couchés, des jeunes. Que le chef d'État nous aide à ne plus pleurer nos enfants. Vous entendez si bien. Ce prêtre, c'est-à-dire, il ne mâche pas les mots. Il vous dit, l'État du Cameroun a la possibilité de mettre fin à cette guerre meurtrière. Pourquoi? Parce que c'est l'État du Cameroun qui est à l'origine de cette guerre insensée. Je vous ai dit ici la dernière fois que Otto von Clausewitz vous explique que la guerre, c'est la continuité de la politique par d'autres moyens. Ce problème est un problème qui sera réglé politiquement, uniquement. Il n'a pas de solution de force. Ça n'arrivera pas. Tous les grands diplomates du monde ont dit à Paul Biya, vous ne pouvez pas. Vous vous êtes activé. On vous a envoyé, on a dit, oh, dans 2 semaines, vous allez dératiser, vous allez écraser, vous allez marcher dessus, vous allez faire des... Nous sommes déjà à près de 8 ans. Vous n'arrivez pas à marcher dessus. Vous avez tous les gens sophistiqués. Mais vous êtes en train de vous battre contre des gens qui sont en train de lutter pour leur propre existence. Vous ne pouvez jamais vaincre ce genre de personnes-là. Vous êtes dans une guerre de luxe, une guerre de proximité. Vous êtes en train de mourir pour les intérêts de la France. Nous, Southern Cameroun, nous mourons pour l'intérêt du Southern Cameroun. C'est pour ça que nous allons mourir jusqu'au tout dernier. Avant que vous ayez la possibilité de posséder nos terres et de les livrer à la France gratuitement. Je vous le dis. Et vous entendez ce pasteur dire, les familles des pauvres. Parce que vous qui êtes au front là, ce sont les enfants des pauvres. S'il y a quelqu'un parmi vous là, vous m'écoutez, qui est au front? Vous me regardez, qui est au front là? Au Southern Cameroun. Regardez parmi vous, s'il y a l'enfant d'un général avec vous là, dites que moi je mens. S'il y a l'enfant d'un colonel déployé avec vous au front là, dites-moi que je mens. S'il y a l'enfant d'un ministre, l'enfant d'un directeur général avec vous là, dites-moi que je mens. Ce sont les enfants des pauvres. Vous, des familles démunies qui ne demandent qu'à avoir de quoi nourrir leurs enfants. Hélas, on vous offre la mort. Suivons encore. Je voudrais vous prier, monsieur le représentant des forces armées ici, de bien vouloir transmettre ce message des familles éplorées, les familles pauvres. Donc vous voyez, je pense qu'il faut même qu'on avance encore un peu. Écoutez-le. Dites aux instances supérieures, transmettez ce message. Sinon, on continuera à pleurer nos enfants. Nous ne voulons plus de cette guerre. On nous ouvre. Non, non et non. Voilà le cri des familles. Parce que les enfants qui meurent, ce sont les enfants des pauvres. Regardez
les militaires qui sont là. Regardez vos collègues qui sont là. Ce sont toujours les éléments de Baran. Tout misérable là. Et le pasteur dit si bien, les enfants des pauvres. Regardez, vous êtes là pour enterrer votre collègue. Il y a quel militaire des rangs là-bas? Moi, je veux bien voir. On va dire représentant du chef de l'État, on va prendre un bambin qui ne comprend rien. Mais je vous dis bien, ailleurs, un militaire tombe. Il faut voir ce qui se passe. Mais parce que vous représentez des mouches. Parce qu'on ne vous considère pas. On vous considère comme des simples engins programmés de mort. À offrir et à recevoir la mort. C'est tout. C'est comme ça qu'on vous perçoit. Vos vies n'ont pas de valeur. Écoutons encore. Je dois le dire. Ce sont les enfants des pauvres qui meurent. Un enfant d'un général n'est jamais mort. Un enfant d'un colonel n'est jamais mort. Un enfant n'est jamais mort. Les enfants des pauvres, excusez, c'est le cri d'un fils qui pleure. Ne continuons pas. Nous sommes tous Camerounais. Arrêtons. Arrêtons. Je le sais simplement parce que vous puissiez voir le visage. Et parmi tous ceux qu'on présente là, il y a encore eu des morts. Vous les connaissez? Je dis parmi tous ceux qu'on présente dans cette photo, dans cette vidéo, il y a encore eu des morts. Et le prêtre dit si bien, un enfant d'un général n'est jamais mort là-bas au front. Non. Un enfant d'un ministre n'est jamais mort là-bas au front. Non. Un enfant de Biya qui passe là-bas fait quoi? Un enfant d'un directeur général, jamais. Un enfant d'un secrétaire général de ministère, jamais. Un enfant d'un directeur dans l'administration centrale, jamais. Jamais. Les enfants des pauvres. Vous vous laissez manipuler. Pourtant, c'est sur vous qui compte pouvoir perpétuer ce système-là. C'est sur vous qui compte pour pouvoir continuer à malmener non seulement les citoyens du Southern Cameroun, mais vos concitoyens aussi. C'est ça. Et je vous dis, quand on vous écrase, vous êtes parti. Vous ne pouvez en aucun moment imaginer ce que subissent vos familles. Si vous en doutez, regardez cette autre vidéo. Et vous savez pourquoi cette famille n'en revient pas? Regardez le corps qui descend là. Et il faut regarder tous ceux qui sont là. Aucun haut gradé. Personne. Vous savez pourquoi est-ce que cette famille est tellement écœurée
Parce que Moïse, comme ils appellent, est entré dans l'armée, cela n'a pas fait 9 mois avant qu'il trouve la mort. Il n'a même pas eu la possibilité, je dis bien, il n'a pas eu la possibilité de toucher son premier salaire réel. Ce qu'il avait encore pour le moment, c'est ce que vous appelez les petites primes qu'on donne là sur le terrain. Il n'avait pas eu la possibilité de toucher son tout premier salaire. 9 mois, bam, le voilà, c'est fini. C'est pour ça que la famille ne revient pas. Oui, sortons avec ça. Pour rien. Qui pense même encore à Moïse aujourd'hui? Est-ce que le gouvernement bien se rappelle même encore qu'il a existé quelqu'un comme Moïse? Qui s'occupe de sa jeune femme qu'il a laissée derrière? Qui s'occupe des enfants qu'il a laissés derrière? Qui s'occupe de sa vieille maman et son vieux papa qu'il a laissé derrière? Fini pour lui. Terminé. Ouf, on passe. Pendant ce temps, le ministre de Biya se moque. Vous voyez, fameux Ndongo. En tout cas, ils sont morts. On s'en fout. Ce sont des oiseaux. Hein? Quelques oiseaux sont morts là. Bon, on ne va pas rester à pleurer là. La vie va quand même continuer. Et pendant ce temps encore, ah, je pense que nous avons raté cet extrait. Je promets, je vais vous amener cet extrait, vous apporter cet extrait-là la prochaine fois. Et regardez, pendant que tout ceci se passe, ces gens sont en train de mettre leurs enfants dans toutes les grandes écoles pour qu'ils puissent non seulement continuer à vous diriger, mais leurs enfants aussi vont diriger vos enfants et les gérer de la même manière qu'ils sont en train de vous gérer. Parce que vous êtes pauvres. Vous n'avez pas les 5 millions, les 10 millions, les 15 millions pour acheter la place à Enam, à l'Enam. Non. Et puis ce n'est même pas pour tous. Hein. C'est juste pour certaines tribus. Et le reste, on s'en fout de vous. On vous utilise comme des objets, comme du papier hygiénique, après, on dispose. Regardez là. Voilà l'entrée à l'ENAM 2024. 526 admis. Et sur les 526 admis, 450 sont d'origine Beti, Boulou et Kam. Vous avez bien compris? Il dit bien sur 526. 450 sont d'origine Boulou, Beti et Kam. Donc 87% de ceux qui ont été admis à l'ENAM en 2024. Donc, vous constatez que le reste de 13% est partagé parmi le reste des régions ou des tribus. Or, ils réussissent à faire tout ça parce qu'ils comptent sur vous. Ils réussissent à faire tout ça parce qu'ils vous utilisent pour mater le peuple, pour écraser le peuple, pour écraser aussi votre propre avenir, pour écraser l'avenir de vos enfants, pour écraser l'avenir de vos frères, vos soeurs, de vos familles. En retour, on vous fait croire qu'on vous paye très bien. Je vous ai expliqué ici la dernière fois. Oh combien ce paquet que vous avez là ne représente rien au fond. Et au finish, vous êtes obligé de faire des choses terribles pour pouvoir arrondir les fins du mois. Je viendrai sur ça et vous verrez quelles conséquences cela a sur votre image et comment est-ce que vous êtes traité. Ça c'est vrai. Dans tout ça, vous n'avez rien.
Il dit absolument rien. Mais c'est vous qu'on utilise pour faire de n'importe quoi. Regardez encore. École de police 2023. Sur les 526 inspecteurs de police déclarés admis, inspecteurs de police, 450 sont de la même région. 450, c'est-à-dire Boulou, Beti et Kamp, c'est-à-dire centre sud est. Juste 76 sont restés pour le reste. Et d'ailleurs même, à l'INSA, ça veut dire 526 sont sortis du sud seul. Du sud seul. C'est pas moi qui ai préparé ça. C'est vos frères, vos jeunes frères, vos jeunes sœurs. Quand la carte d'identité part de 2800 à 15 000 francs, est-ce que ça épargne les membres de famille, des militaires, des policiers, des gendarmes, des billes, des GPIN, la garde présidentielle, des forces spéciales? Ça n'épargne pas vos familles. Vous payez. Pour vous-même, vous allez aussi payer ce même prix-là. Quand le passeport international passe de 35 000 à 115 000, est-ce que ça épargne les membres de vos familles qui sont tous en train de vouloir fuir cet enfer qu'on appelle pays? Et ce pays est devenu l'enfer parce qu'on vous utilise à transformer ça en enfer. Vous êtes les exécutants, donc vous êtes les complices. Vous ne pouvez jamais nier votre responsabilité. Donc toute la peine que vos frères, vos soeurs, vos enfants, vos parents subissent, c'est vous-même qui les administrez ça. Parce que vous êtes le socle sur lequel ce système satanique est construit. Vos frères qui meurent dans le désert, ceux qui partent chez les Arabes et on les transforme en objets sexuels, même aux chiens là. La responsabilité sur vos mains. Vous ne pouvez jamais nier ça. Oui, vous ne pouvez jamais échapper au blâme. Donc ce que vous faites au Southern Cameroun, vous perdez le temps. Il faut arrêter ça. Il faut rentrer chez vous. Mettre de l'ordre dans votre maison. Il faut rentrer chez vous. Lutter pour votre destinée. Il faut rentrer chez vous. Écarter tous ces vieillards-là qui vous ont transformé en engin de mort et assurer un avenir meilleur à vos enfants, vos grands-enfants, à vos frères et sœurs. Les empêcher d'aller mourir de gauche et à droite. Les empêcher d'aller se faire torturer en Guinée équatoriale. Aller se faire torturer au Gabon. Aller se faire chosifier au Tchad. En Centrafrique. Partout. C'est les Camerounais dépourvus de tout. Et c'est à cause de vous. Eh oui. Les hommes en tenue de la République du Cameroun. Ce que je fais là, je vous aide à vous conscientiser pour que vous puissiez vous réveiller de ce grand sommeil que vous avez endormi depuis 1982. Ce que vous faites au Southern Cameroun, là, vous ajoutez aussi votre peine. Vous augmentez, vous aggravez même votre peine. Parce que tout l'argent que vous devez sauvegarder de l'autre côté pour utiliser et développer vos pays, vous n'avez pas de route. Pas de route, pas d'hôpitaux, pas d'eau potable, pas d'électricité. Vous êtes en train de gaspiller ça au Southern Cameroun. Alors qu'en fin de compte, vous allez partir. À quoi ça sert? Prenez conscience. Et si vous venez de commencer à suivre, une fois de plus, écoutez la voix de votre président. Vous dites très bien qu'il reconnaît que le Southern Cameroun, c'était un pays à part entière. Une entité qui ne faisait pas partie de la République du Cameroun. Demandez-vous toujours pourquoi est-ce que votre pays est le seul pays du monde qui ne fête pas son jour de l'indépendance, le 1er janvier. Demandez-vous pourquoi est-ce qu'on vous attire tant
à fêter un certain 11 février comme étant la fête de la jeunesse. Quel est, le fait historique qui s'est passé le 11 février pour faire de ce jour la fête de la jeunesse? Demandez-vous ces questions. Quand vous commencez à vous poser ces questions critiques, ça vous permettra de pouvoir chercher et de connaître la vérité. La République du Cameroun est le seul pays au monde, il dit le seul, qui ne fête pas son indépendance le jour de son indépendance. Il y a pourquoi? C'est pour ça que vous mourrez. Écoutez Paul Biya et puis on en finit. History has not forgotten that Buya was the headquarters of West Cameroun. History has not forgotten that Buya was the capital of Southern Cameroon. Aussi bien dit, je n'ai plus rien à ajouter. Une fois de plus, je vais vous remercier, vous tous qui avez eu la possibilité de me suivre en direct. Je vous invite à partager et à liker, beaucoup plus aussi à liker, parce qu'il faut toujours continuer à protéger ce direct. Je vous invite à partager le lien très largement pour que vos collègues, tous, soient informés et soient édifiés. Il y a une version audio. Dès lors que vous recevez la version audio, faut tout faire pour que cela atteigne tous ceux d'entre vous, tous vos collègues qui sont dans des recoins où ils n'ont pas de bons réseaux, de bons signaux, pour les permettre aussi d'être vraiment édifiés. Je vous remercie. Portez-vous bien. Et une fois de plus, merci pour l'écoute. Merci pour le temps que nous avons passé ensemble. Technique, plateau technique.